La ville de Cannes est en plein préparatif du festival qui débute demain soir. C'est le réalisateur chinois Wong Kar-wai, président du jury l'an dernier, qui sera le premier à monter les marches du palais demain avec son nouveau film My Blueberry Nights. Nathalie Etter, Sybille Bromberg. Au commencement était l'affiche, incontournable. Une quinzaine d'acteurs et de réalisateurs, le 7e art dans toute sa splendeur et les 5 continents représentés. Je la trouve dynamique, il y a du mouvement, on voit que ça bouge. Ils ont tous l'air joyeux et plein d'espoir. À l'origine, l'hommage à un grand photographe des années 50, auteur du Jump Book. Il suffit de regarder ces clichés pour comprendre le principe. Sauter devant l'objectif, l'an dernier, ils ont tous accepté. On s'est retrouvés avec une moisson d'une centaine de clichés. Et cet été, quand on a réfléchi à la façon dont on voulait, par l'affiche du 60e anniversaire, exprimer tout l'esprit du 60e, c'est-à-dire l'énergie, la gaieté, le futur. Mais on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose avec ces photos. Un an après, certains sont de retour sur la croisette. Exemple, Wong Kar-wai pour son film My Blueberry Nights. En haut de l'affiche, la chanteuse Nora Jones qui fait là ses premiers pas au cinéma. Cette année, 49 longs métrages ont été sélectionnés, 21 sont en compétition. Il y a les habitués de Cannes, de Tarantino, frère Cohen, en passant par Costa Rica ou Soderbergh. Et puis, les petits nouveaux, comme Catherine Breillat, dont c'est là le premier festival, un choix éclectique et assumé. C'est folle, que faites-vous? Je vais pas sans ça, personne ne m'empêchera. On travaille selon nos coups de cœur, on travaille selon un certain nombre d'équilibres également qu'on veut respecter. Mais cette sélection cette année donne, je crois, particulièrement de l'importance au cinéma d'auteur. Mais cette année, cinéma d'auteur rime aussi avec joie et bonne humeur. 60e anniversaire oblige. Les palaces s'apprêtent à accueillir les plus grandes stars. Au Majestic, c'est un grand gala qui sera organisé dimanche prochain avec tout le gratin. On aura Tarantino, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, tous ces grands réalisateurs qui ont signé les grandes œuvres du cinéma depuis une vingtaine d'années. Et puis on aura au niveau des stars Dustin Hoffman, Brad Pitt, Angelina Jolie, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Enfin, ils seront tous là pour cette grande soirée anniversaire. Et en attendant, c'est dans 24 heures exactement que les premières personnalités graviront les marches du palais. C'est le film du chinois Wong Kar-wai qui inaugurera la compétition. Et pour cette 60e édition, on attend ici à Cannes plus de 150 000 personnes.